Bonjour, je ne pouvais pas commencer cette nouvelle vidéo sans vous souhaiter une très belle année 2022 avec plein de chance, de santé et de réussite. Aujourd'hui, un nouvel épisode de mon pronostic PMU Quinté Plus du dimanche. Découvrons ensemble l'épreuve du jour et mes pronostics. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. Voici tout d'abord le classement des meilleurs pronostiqueurs que vous pouvez comparer en toute transparence avec mes propres résultats. Pour ce dimanche 9 janvier 2022, nous sommes à Vincennes pour le prix de Lille. Dans cette épreuve d'attelée de 2100 mètres, 16 chevaux vont tenter leur chance en démarrant derrière l'Autostar. Après analyse des partants, je commence par sélectionner mes chevaux favoris incontournables et les chevaux que je vais éliminer, souvent à regret. Ceci me permet de me concentrer sur une liste de chevaux plus réduite. Je note ensuite les numéros avantagés par le handicapeur, leur position à la corde selon la course, leur cote et enfin les numéros de chance du jour. Je fais une synthèse de tous ces éléments en fonction des conditions de la course. Contrairement aux professionnels qui pronostiquent 8 chevaux, je préfère me concentrer sur seulement 6 partants. Je vous propose 3 pronostics à choisir en fonction de votre inspiration du jour. Le premier est basé sur les préférences de la presse spécialisée. Bonne probabilité de gagner, mais gain espéré faible. Le deuxième tient compte des numéros de chance du jour. Faible probabilité de gagner, mais espérance de gain plus forte. Et enfin, ma synthèse personnelle, le pronostic de mon blog TropDeChance.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin, je vous propose à prix réduit mon livre à la poursuite de vos numéros de chance. Il est en vente sur Amazon et dans la boutique de mon blog. Tous les liens sont rappelés en description sous la vidéo. Merci à vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches.